Oh. Chicha, j'ai une question pour ceux qui sont dans le centre de Calvi. J'ai ma petite vendeuse qui est devant la boutique et apparemment il n'y a plus d'électricité dans Calvi. Elle n'arrive pas à ouvrir le rideau électrique. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi ou est-ce que c'est que nous? Bon, je voulais remercier, merci beaucoup la dame de DF qui m'a appelée. En fait, oui, apparemment, il y a des grosses coupures partout. Et en plus, cet après-midi jusqu'à demain, les orages sont encore pires. Donc, la boutique sera fermée aujourd'hui pour cause de panne d'électricité. Intempéries. C'est ça. Voilà. Et voilà. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts pour chacun de vous. Et courage. Pour vous faire un petit update de notre situation post-tempête, déjà un gros soutien aux victimes de cette tempête parce que ça a été vraiment catastrophique les conséquences. Apparemment, ça devrait recommencer ce soir. Je ne sais pas à quelle puissance et à quelle heure et si c'est le cas, mais en tout cas, faites attention pour tous ceux qui ont les voitures dehors ou même qui... Enfin, faites tous attention, peu importe. Et nous, pour nous, ben, on est bloqués à la maison puisque Paul-André a pris la voiture pour aller travailler. Et du coup, on ne bouge pas. Et je pense que Paul va être bloqué en ville ce soir si ça recommence parce que hors de question de prendre la route sous ce temps. Donc compliqué, mais en tout cas, voilà. On n'est vraiment pas dans la pire situation. Donc gros soutien à tout le monde et j'espère que ça ira. Gros collier avec le rond, là, c'est la marque Aparajan, évidemment. Et c'est le modèle Hermès. J'en suis presque sûre parce que c'est la tête d'un guerrier dessus ou de je sais pas quoi. Ou de Hermès. Enfin bref, il s'appelle Hermès, je crois. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Celui-ci, au cas où, mais je vais vous mettre les références juste après, c'est le Birmingham, il me semble. Je vous l'avais mis la dernière fois. Et celui-ci, c'est le Victoria, comme d'habitude. J'avais reçu une question, j'avais screenshot, mais je ne sais plus où je l'ai mis dans mes photos, j'en ai trop. Sur cette croix, c'est le Victoria, du coup. Mais je vais vous mettre... Oula, le filtre, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas que tu t'en ailles, le filtre, parce que là, ma tête, c'est pas... Alors voilà, j'étais pas loin. Je savais bien que c'était un type dessus et que j'en avais déjà entendu parler. Hermès, c'est un dieu grec. Je suis allée chercher sur internet. Je vous ai mis sa tête. Donc c'est lui qui est sur le médaillon. C'est pour ça qu'il s'appelle Hermès. Enfin bref, désolée. Des fois j'ai des petites. Mais bon, je suis allée chercher. Il faut s'instruire. Il faut pas hésiter à poser des questions cons. C'est en disant rien qu'on reste con. Bref. Et du coup, je vais vous mettre juste après des photos avec plein de boucles. Parce que là, du coup, bah, je suis pas du tout parée, donc j'ai pas mes boucles sur moi. Avec toutes les références, parce que je sais qu'à chaque fois, vous kiffez quand je mets les références. Et quand je les mets pas, vous me les demandez. Donc du coup, je vais vous les mettre. Je vous ai eu aussi un code promo de moins 20% sur tout le site Aparajan que je vais vous mettre là aussi. Et surtout, pour ceux qui me posent la question... moi vraiment j'utilise les bijoux, enfin je porte les bijoux Aparajan depuis très longtemps et il n'y en a aucun qui a bougé, c'est à dire que lui autant ça fait 2 mois que je l'ai sur moi et je prends la douche tous les jours et je vous avoue qu'il bouge pas, donc c'est vraiment génial.